Voilà, bonjour Topé, bonsoir peuple congolais. Ça dépend du milieu ou de l'endroit. Beaucoup l'andabisho, la première tranche Oyo. Je crois que si tout va très bien, nous allons revenir sur prestation à Serma et Chulombo. Peut-être la deuxième émission au Toko. J'attends et encore partager Nabino Lilo. Nous verrons qui était là comme invité et qui a quitté, absenta qui. On verra, on parlera ici de ce qui s'est passé. Bon, je vous dis toujours, quand le dictateur font des trucs dans le monde, ils veulent impressionner. Impressionner pour une seule journée après le temps. Donc, ils ont vaut rien. Hein? Vaut rien de influencer, tout. Donc, Bato Bazama et les Mingi, ils font des trucs dans la simplicité des choses pour que Makambutu et les Galons sali. Ah, ouais, surtout les États-Unis, l'Amérique. Ah, ouais. Je vous dirai, mes frères, au moins un patron. Je suis un patron et un patron. T'as la grande au monde à mon compte Facebook. Hein? Azalara en États-Unis. Beaucoup d'années peinent de la peine à Cali. Bon, Azalara sécurisé pour vous ébiquer. Bato Bazama, Bako Lingaba sali, ma bé. Diango Azalara n'a pas garde. Mais au moins, il est simple. T-shirt à pamba donc. Aujourd'hui, matin, je me tiens à balard. Un milliard. Na compte. Mais autant pour la t-shirt, na pantalon jean, na moi catch mon robot, y a un nègre mon mystique. Attends, attends, la mutu y a tel ça wana. Oh, ça la cara tel ça. Hein? Si au moins, il est bon, mon robot, je comprends. Et donc, il en bas, je l'ai t'as coupé, je comme moi. Manala. Donc, si on a dit que la cérémonie de la cérémonie, ça ne vaut rien. Il n'y a pas d'esprit à influencer. Et puis, l'esprit est là, mingi, moto a outil. C'est vrai, il peut pas outil en passe, après, il peut pas outil en maîtrise. Il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas d'esprit. Ce qui est influencé, il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas d'esprit. On reviendra sur ça. Merci beaucoup de vos j'aime et puis de continuer de s'abonner massivement sur notre chaîne Congo États-Unis TV. Ton guitolo bela moi 2 ou 3 points na live Oyo. Yaliboso tolo bela MLC à Bemba complètement. Et ça vous a divisé les hauts cadres. Bazar ok ni manque ou manque par rapport à Nenge élection et les qui na Katia Congo. Tokolo Bela moi ndamba investiture Antoine Chulombo. Donc moi début je dis que on reviendra après pour Natoye Banani na banane bazala kiwana. Et puis nous allons parler, n'est-ce pas, il y a marche au Isala qui prévu et Salama Lelo le 20. Qu'est-ce qui se passe déjà sur le terrain? Et ce qui va pour moi, il y a divers Isali. Nous allons revenir pour Nato partager Nabino. Bino Bozako Landanangai Awa. Alors, et là, on est tous les gens au peuple congolais. Peut-être que ça, la première réflexion pour Nabisho Batozali na Libanda Yamboka, na Libanda ya diaspora, par rapport à l'événement Ndenge Ezako s'est déroulé na Kati ya RDC. Alors, rapidement ici, Bande Konangai, l'obito Vanda Kiboye, Tomoni Jekoko Mulumba, celui qui vient de remplacer Gentil Ngobila par intérim. Ils nous disent toujours par intérim. Et d'ailleurs, la conférence de presse Naye, il continuait de dire que Gentil Ngobila jusqu'à présent reste le gouverneur. C'est comme cela se passe na Ebisaki Bino na Kolwezi. Ils ont les canaux là-bas. Fifi Masuka Azala gouverneur. T'es-il le loba vota été? Azala qui vice-gouverneur, Balongola Mouyej. Mouyej est bloqué à Kinshasa, ne peut rentrer na loi là-bas. Fifi Masuka Tika en a plus de 4 ans. Je crois 4 ans ou 3 ans comme ça, avant de naître, hein, élection Pessa la Maraté côté Gouna. Le Tozui Tanganyika presque la même chose, Tozui ma province, Moussous, la même chose. Donc, Jekoko est là. Je ne sais pas si ce coup combien de temps, mais il va perdurer là-bas parce qu'il a qui volonté à Félix. N'a plan la Bango Bazar ça là, va contrôler bel et bien la ville-province de Kinshasa. Ils ont le complot. Nenge la bande qui a été lobby, Oyo et Salamaki contre Yengobila, mais banda le lot et banda kal. Même en étant aussi un complot contre Tini Moussou et Zana Congo, Bateke, Bakongo et puis Batabandundu. Soki Bokolala, Bokola Mukate, Ponabo et Bissa Chilombo. Ce coin-là, la capitale congolaise, a été toujours gardé, n'est-ce pas, et pas Yabatoa, entité ou
comme lui, il veut changer les normes. Bansel très basali, Bansel très basali, chef coutumier pe basali. Bino, chef coutumier en Congo, si on vous a affaibli aussi, comment tu es baraté? Venez ma boézo au salama. Bino pe boza ko réagite, bino pe boza ko lobelo kote. Alors, na ebite ce qui te rokende, ti wapi na makambo chilombo abandi na kata Congo. Mais grave année, yemoko jekoko, mutakomi vice-gouverneur, to gouverneur, par intérim. Naïsikawana. Oh, par surprise, la journée d'hier, Jekoko a kenda ki mbala mort dans l'hôtel de ville. Bon, mona ki vidéo na laksa ki bino. Nenge, yamba ki ye. Prêtement de serment, ni de tout ça. Sali, ni de tout ça, il est devenu gouverneur. Il rentre au bureau pour quelques minutes, après peut-être 30, 40, 50, une heure du temps, juste influencer les gens. Babé télé Maboko comme gouverneur. Il descend directement dans quelques coins de la capitale, oh, à lancer ma travaux. Il lance des travaux. Si, écoutez très bien la réflexion, si Jekoko lance des travaux de grande envergure et que cela a reçu, et que Ngobila qui était là n'a pas pu le faire, cela veut dire, et cela qui complot, oh, il y a toi Félix, ça bah, là qui est. Ba bloqué Ngobila, a kokisa ko sala ba travaux miné n'était. Alors quand ils vont remplacer par Jekoko, pour que les Congolais, les Kinois en particulier, ba linga Jekoko, ba ndima Jekoko, ba fongole le chiko ba porte, a lancé ba travaux miné n'était à la reçue. Parce que le projet, j'insiste encore là-dessus, parce que la politique a un peu trop de problèmes. Le projet Azando, je ne sais pas ce que vous avez pas dans Yemoko Jekoko et plutôt Ngobila. Parce que voir Félix Tshisekedi venir s'asseoir avec de maman Azando pour n'en courir, ça va être un gouverneur. Je pense que l'idée était venue de lui-même, Chilombo. Mais c'était un plan qu'on préparait pour Ngobila, pour qu'il soit mal aimé dans la capitale, afin que tant que Jekoko. Bah là c'est ce que bah travaux là pour que bah Congolais en particulier les Kinois bah lingaï. On verra la suite de cela dans le jour Oyo Ezali Koya. Mais plus grand problème nangaï Ezali Nini peuple congolais. Mon plus grand problème Ezali hier lui le Jekoko il vient de remplacer Gentil Ngobila à Tamboli na ville province de Kinshasa. Et na kotambola naye peuple congolais, Jekoko. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Une minute. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, Jekoko, Bandego Nangaï, Nakotambola Nae, Nakati, la province, ya Kinshasa. Ce qui vous prête à qui attention, à qui vous lancez vos travaux, Nassima vous lancez vos travaux, Anna. A comme il y a roulage. Le gouverneur, on dit comme ça, le gouverneur, même si on dit que par intérim, il est gouverneur. Alors, c'est va lancer ma travaux, va faire la là. En même temps, Jekoko, ce qui est étonnant, ce qui est frappant, gouverneur, Wande Konangai, a comme il y a un roulage, a comme il y a un orienté, ba mituka. Kaka nenge, bango tout ba yaga nenge wana. Ba Peter Kazadi, ou ba noma ki chef à la police, bango tout ba yaga na loenge nenge wana. Oh, basa ko bongi sa circulation routière. Oh, maman. J'attendais, je vous montre la vidéo. Botala, comment j'ai coco. Aza ko tambola na kino. Je passe tout bien en moins filiance. Eza nini. Nebine moko botala, gouverneur à Sika. Ya RDC à Congo. Voilà. Regardez cela ici. Il est là-bas, attendez là-bas.
Voilà le gouverneur. A vous de vous là. Yoka. Bloqué là-bas. Attendez, je suis passé. Chancelo Rupam. Oui, papa, il m'a dit, chégué. Chégué, chancelo Rupam. Parcours scolaire, zéro. Parcours professionnel, zéro. Comme il venait. Grande, la capitale congolaise. Vraiment. Que ce pays puisse se développer intellectuellement zéro, je comprends. Parcours scolaire zéro, niveau professionnel, même dans le travail, on ne sait pas, zéro flou, il devait gouverner. Ah, t'as la vidéo pas ça, la bandit de ça. Ça c'est... J'ai vu beaucoup de journalistes ont commenté sur ça, sur cette vidéo. Mais comment on est arrivé à là, jusque là? Comment on est arrivé jusque là? Comment? Comment? C'est-à-dire, c'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant. Avec Kinshasa, vous avez des professeurs et professeurs de grandes universités du Congo. Et ça n'a qu'à sa capitale, Wana. Vous avez des docteurs, des juristes, vous avez des... Je ne sais pas. Mais regardez le niveau qu'a atteint la République démocratique du Congo. Et avec ça, des images pareilles, vous pensez que ce monsieur-là va développer la province de Kinshasa. Ah, Congo, Mbokoyo. J'ai vu la vidéo, je dis que le pays a besoin. Il a besoin na biso na batu mususu na ebite. Comment je peux vous expliquer cela? Il rentre sans vision, sans programme, comme Félix Tshisekedi à la tête du pays. Il prête serment, sans vision et sans programme. Aujourd'hui, la journée de prêtement de serment passe. Le lendemain, tout est... Donc, ça, c'est la bonne année. Et ça, l'ami. Et je coco plutôt. Il devient gouverneur, mais là, il commence à faire respecter la route, circulation. Donc, c'est-à-dire, le monsieur ne sait même pas là où il est, qu'est-ce qu'il doit faire, comment arranger déjà. Première réunion, il faut faire un banani, un banani. Pour que après ce qu'on vision programme là même pour quelque temps qu'est-ce qu'il peut faire mais il est pour naizaka lukumu ba mon naizaka comme il peut gouverner à Kinshasa comme son frère de Turbi Azali le président de RDC. Ah mboko ne bazo humilier ngwa vraiment et ça passe total ami collègue ya na bato ba chewana qu'est-ce qui va se passer dans la capitale congolaise et puis le jekoko là au ba comme ici AI une vidéo qui circule mais malgré parce que vidéo on balaxi makila mingi moi et toi na ba YouTube na ba Facebook ezate aouté ko bomba na mombaka ka campagne awa akeko ta kingabwa bato babito ko voter oté to lingi pe félicité je kokwa ye na ba kuluna abetisi ba mama bazoki. On a même envoyé une convocation à Jekoko de se présenter na justice akendate. Ils sont au-dessus de la loi, à Kendate. Bon, là, maintenant, il devient gouverneur. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans la capitale congolaise. Que nous essayons d'insister, surtout à mes frères Kinois. Bateke, ba Congo, Bandundu. Réveillez-vous le plus vite que possible. Alors, deuxième point, Oyo Nalingito développé Nabino Awa peuple congolais. Sur les événements Nenge Yango
Isaac s'est dirigé na Katia RDC à part comment na Jekoko a outuko prêté et plutôt kosala ba aventure na e. Il y a un problème de je peux dire de sécurité oyo Isaac régné na Katia ya RDC. Et ce problème de sécurité ezali côté nini. Yali Bosso, on nous a envoyé une vidéo et dans la vidéo, on nous montre, n'est-ce pas, il paraît un hélico et Outeko Kita, d'un côté Yamaloukouboye, dans le télépito. Oh, on télélevé, ça, le coup, la presse, tout le babango, mon bata Félix Bazakuna. Alors, la population, balobi que non, c'est très dangereux. Parce que ba yebite ba tuwana ba kitine hélicoptère soki baza banani pe baza kokende wape. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi la vidéo mais na kozongi c'est la bino yango boyoka ba tuwana ninge baza koloba avant que biso tokoma musika toto zo développement mususu na dossier wana boyoka bango batu ba filma ki hélicoptère awa tozali na BAT na commune Ansele. Oui, hélicoptère moko et kiti na kati ya terrain ya dewey. Awa tozo filmé ango na musika, mais so botale zo mona na bien te. Alors, tozo même po to mona ango bien yango ana so tali ango. Au moment de l'hélicoptère, on a eu un accati. Alors, Esengeli, Bakonzi Amboka, Balandela, Bato, Bazaki, Nakati, Bakeiwapi, parce que Bato Azolo, Baba Monaki, Basoda. Alors, Tozo Lingake, Tozo Lumière, Lobby, Ezali, Prestation, Asserma, comment Piloto, Akoiko s'est trompé, Keno, ou Abosana, Kikeza, Kibomangwa, Yeko Kweya, Awa. Voilà, Awa, Eza terrain, Yadewey. Voilà, terrain à Dewey, na BAT, na commune Ansele. Donc, vigilance. Mboka, biso bakolo mboka, tokoki kondima eloko ya mabete. Biso bakolo mboka, tokoki kondima eloko ya mabete, esalemana, banzi oya biso na BAT. Yangoana, esengeli intervention ya bakonzi ya mboka sécurité batala makamboyo. OK, vigilance. Voilà. Vous venez de voir la vidéo avec moi, peuple congolais. Ils disent que un hélico et kitaki na télé, on ne peut pas dire que il est attaqué destination na yango pour que yango kitawana soi-disant ba ekina ba militaire. Alors, peut-être, pour Nabassa Lamabe, en tout cas, on ne sait jamais. Bon, ça c'est la population, on doit parler toujours comme ça. Je crois que l'espace aérien du Congo, il a l'air à surveiller à tout moment. Donc, c'est-à-dire qu'un hélico comme avion, avant, écoute un espace, surtout n'est-ce pas à capitale, il demande d'abord l'autorisation. Après bah, ça, la descente de Nabango. Alors, ce qui, soi-disant, hélico, n'est pas un bazar au loba, et un bas militaire, et côté Congo, et que l'autorité, bah, bango batala, l'obé zala qui l'élo, l'élo zali prêtement un serment, y a Chulombo. Alors, il y a des risques qu'il y a quelque chose. Bon, la libo chose à libo zan un régime à panique, régime à Chilombo est le régime à panique. Oyo, à tout moment, baza ko banga pour ba yebite ni ne koyi ko ya na kati ya mboka. Ni ne koyi ko salama na kati ya mboka. Voilà le pourquoi ils ont, on peut dire comme ça, ils ont peur baza ko banga. Que non, batu musu ba koyi ko ye la bango pour ba sala bango renversement ya régime. Mais en réalité, il n'y a pas grand chose là-bas. Il n'y a pas grand chose yo bakoyiko banga ou bien basté. Le problème c'est que le régime Chilombo, ils savent que nenga tozana pouvoir oyo tozu yango na nenga muyibi na nenga mabe et ça peut nous coûter cher demain ou après demain. Alors si ko banga wana il commence à créer des informations
pour mettre un peu la population Nabubangi. Mais retenez très bien aussi, depuis hier, pour la prestation à serment, il y a gourou de la secte IDPS, ils ont déployé des militaires partout dans la ville de province de Kinshasa. La ville est complètement militarisée. La ville province de Kinshasa, militarisée. Alors, j'ose croire que peut-être pour assurer plus de sécurité, yakubanga babilo comme susheya, nde yangona ba keko déployer ba militaire na bango côté kuna. Mais il faut pas aussi minimiser la façon dont Chilombo est arrivé au pouvoir. Bon matabo kita, bon lingana bon lingate, le Congo est toujours un risque. Donc c'est-à-dire la façon dont les Américains basala basini ya yanzela ya orienté balabala ya bango mingi zalaka rouge, donc qui veut dire stopper, qui veut dire danger, vert qui veut dire faut aller, et puis jaune qui veut dire il faut ralentir parce que peut-être rouge est à couper là calamité pour stopper. Alors na ko loba ke lelo na Congo tozana la signe ya jaune yellow awa loba en anglais yellow tozana jaune, donc qui veut dire que peut-être stop et cause là après quelques minutes, après quelques secondes ou bien quelques jours ou quelques mois et ko yiko ya na kata Congo. Donc tout ça pendant na ligne ya jaune na RDC, tout peut se faire à tout moment. Là, vous devez retenir ça, bande Konangai. Tout peut se faire à tout moment au Congo, avec le début, il y a mandat fraudulé à Félix. Donc, ne pensez pas que mandat Oyo Koza Loko, la mandat est 2018-2023. Non. Mandat Oyo Zanaba, au risque à Makasi, que tout change, que tout se bascule à tout moment. Ça peut être un coup d'État. Ça peut être une rébellion, ça peut être beaucoup de choses pour n'en bouger régime Tshisekedi. Donc vous avez un régime et qu'on travaille na bobangi bobangi. Et puis et banité ce qui en haut est écosila. Prévané, lobby Félix Tshisekedi avait dit quelque chose. Ah ouais, mais prêtement il y a serment naïe. D'abord on a banana oyo tant ou bayoki que opposition a reçu la marche. Peter Kazadi a sali tweet selon révélation. L'annonce de la marche de l'opposition de ce 20 janvier pour exiger l'annulation des élections du 20 décembre 2023 a fait trembler les camps Tshisekedi. Selon nos câbles, une réunion d'urgence a été convoquée pour trouver comment déstabiliser l'opposition. Il a été décidé d'empêcher tous les leaders de l'opposition à quitter leur domicile le 20 janvier 2024. Peter Kazadi va distribuer l'argent aux forces du progrès, milice Nabango, pour attaquer l'opposition. La police a reçu l'ordre de tirer à balles réelles sur le manifestant. Donc, au banga, il y a partout. Parce qu'au banga, il va éviter qu'est-ce qui peut arriver. Et de s'ajouter à cela, le tweet Oyo et Salamaki de Soussou, n'est-ce pas avant-hier. Et ce tweet, c'est le tweet de qui? De John Numbi. Hier, Félix a commis dans l'Ikolo. Samedi 20 janvier 2024, tous au stade de Mati pour la cérémonie de mon investiture. Ne vous laissez pas distraire, Wana Félix. Parce qu'il y a eu qui est bah, opposé à bah, ça la marche. John Numbi a commis, Nassé, il y a tout Wana. Après une heure, je recommande vivement au président de décliner. Je demande aux autres présidents, au Bazalina Libanda et Afrique. Au Bazali na Libanda ya Congo, au Bazali qui loko la ba invité d'honneur ya Félix Tshisekedi, John Numbi a recommandé Bango de décliner l'invitation de Kinshasa pour assurer leur sécurité. A ABC Bango, avec le temps, le moment, les choses, n'engezali kokende, je vous recommande de ne pas participer à cette investiture. De ne pas venir, de décliner, de boycotter l'invitation de Félix Tshisekedi. Pourquoi il le dit? Il dit d'abord, un, pour leur sécurité. Ça veut dire, la capitale congolaise n'est pas encore dans la sécurité complète.
ndenge na uti koyebi sabino, tout peut basculer, tout peut changer, tout peut arriver à tout moment na kata Congo. Tozali na jaune, yellow, ndenge ba Amerika balobaka soko soko kumba mutuka, tango moni yellow, banda ko préparer pour freiner parce que rouge ezako ya. Nde zone tokuza na ngo lelo na kata Congo. Toi na vert, toi na jaune. Okebite rouge ko ya lobby, okebite rouge ko ya lobby wana, okebite rouge ko ya na quelques minutes ao, na quelques heures. Il y a pas de sécurité. De John Numbia ABC, tous les chefs d'État, au balinga qui va participer na eloko oyo ba yate. Pour la sécurité na bango et d'ajouter toute personne prenant part à cette manifestation sera traitée comme un ennemi des Congolais. Alors lobby président nous surtout, mutu nous surtout. Oyo ako participer na kata prestation à serment à Chilombo a gozala traité comme ennemi ya peuple congolais. Ça ce sont des paroles de John Numbi ou alobaki na tutuana. Non, yango bozomona ndenge na otiko loba côté sécurité, on a encore des problèmes, très sérieux problèmes. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer na mboka na biso na mikolo oyo ezali koya. Alors pour fermer ce chapitre na lingina julabino n'est-ce pas na julabino qu'est-ce que je vais prendre batuya comment on dit bande kona biso ya katanga l'espace katangé surtout bato basala réunion ya ba espace katangé alors basala qui communiquer suite à l'élection n'engue l'équipe n'a pas menace au bakatangé bazakozwa ba pesa ki ba point de vue na bango comment bango bazomona makambu n'engue zakoyera et surtout la dictature le mépris d'autres provinces ezako sala makasi na Congo alors esengela ki na bango pe baloba et baloba ki je vous laisse boyoka bango et puis to analyser mozindo ya makambo balobi peuple congolais. Voilà. Préoccupé par le besoin de la paix, de l'unité, de la cohésion et du vivre ensemble, les membres du comité exécutif de la Fondation Katangé se sont réunis ce vendredi 19 janvier 2024 autour de leur président national Raphaël Mututa Mistala afin d'évaluer le processus électoral organisé par la CENI. Katangais et Katangais, chers frères et sœurs, la Fondation Katangaise, havre de paix, de l'unité et de concorde, tient de prime abord à féliciter et encourager tous ces fils et filles katangais qui ont concouru aux échéances électorales du 20 décembre 2023, qui d'aucuns croyaient être libres, transparentes, démocratiques et inclusives. Malheureusement, la CENI de M. Kadima nous a organisé un simulacre d'élections chaotiques, instituées et planifiées. Des élections caractérisées par la fraude, la corruption, avec des machines à voter trouvées chez des particuliers. Bref, des élections honteuses et qui font un scandale dans le monde. Katangais et Katangais, chers frères et sœurs, celui qui voit un problème et qui ne fait rien fait partie du problème, dit-on. Et la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. La Fondation Katangaise tient donc une fois de plus à appeler tous les Katangais à l'unité, à la cohésion ainsi qu'à la solidarité afin d'affronter ensemble ces épreuves et gérer l'avenir qui semble très difficile et très obscur. Pour ce membre du comité exécutif, les élections du 20 décembre dernier ont été entachées de plusieurs irrégularités et ont bafoué la volonté du peuple. Survivons à ce chaos et menons une lutte plus honorable face à ces situations révoltantes et anachroniques condamnées par la conscience katangaise et face à ces élections qui ont bafoué et méprisé la volonté du peuple. Revêtons l'honneur de l'audace plus que le courage. L'audace de dire non à l'oppression, à l'avilissement de tout un peuple, cette audace qu'affichaient nos parents qui nous ont déjà quittés. Chers frères et sœurs, la Fondation Katangaise saisit cette opportunité pour informer l'opinion katangaise que n'a ni délégué
ni donner mandat à quiconque de la représenter aux manifestations qui seront organisées à Kinshasa dans les prochains jours. À bon entendeur, salut. Fait à Lubumbashi le 19 janvier 2024 pour la Fondation Katangaise, les membres du comité exécutif. C'est dans cette optique que tous ont appelé tous les Katangais à l'unité, la cohésion ainsi qu'à la solidarité afin d'affronter ensemble les épreuves et gérer l'avenir qui semble difficile et obscur. Voilà, ça c'est la Fondation Katangaise. Nenge Bangotu Kouakouloba sur processus électoral et sur comment les choses se sont passées et comment est-ce que Bazako Senga, le peuple Yakatanga, va se préparer, n'est-ce pas, dans les jours à venir pour qu'il va relever des Fiwana, Yakobanda ba manifestation et puis Yako Senga libération Nabango parce que le régime actuel a choisi. Il y a commisé les Bango et puis il y a commisé les peuples dans son ensemble. Voilà comment Bango va bandir qu'on le bat déjà. Deuxième, et là on a Nina le bat Awa. Et Zali aussi, ma manifestation au Ebandaki. N'est-ce pas, dans la province, il y a Goma, il y a Nord Kivu plutôt. Les gens ont manifesté aujourd'hui pour réclamer que ces élections était réellement frauduleuse et que Bango Baza Kondimate que Félix Azali président à Bango. On a brûlé le pinot dans deux routes et bon, après le temps, la marche, les Alaki, tellement la ville, les Alaki vraiment à quadriller. Alors, Moye Bakoka, pour ça, la manifestation Makasi, je pense que les Alaki étaient Kinshasa pour le moment. Nous n'avons pas encore des images de ce qui se passe, mais au Sengeli, Boyeba, Tobo retenir, Ezalike, Nagoma, le peuple a refusé, n'est-ce pas, de consonner au Union surtout et l'Eki, Nakati, il y a élection Oyo. Alors, Nakola Ksabino image, vous pouvez voir cela, Nenge Bango Nagoma, Bachaki Moto, Nabanzela. Mais balobi ou esengela ki bango baloba, donc la population a barricadé les routes principales de Goma. Kinshasa, c'est dans le calme. La population contacte de voir la cérémonie. Il y a gourou, il y a roi de la secte UDPS. Les Kinois sont dans le calme. Lubumbashi aussi est dans le calme. Peuple Katangais aussi, Vandikimia. Là où c'est le fief, il y a Moïse Katumbi, mais le Lushua ne bouge pas. Kolwezi, les gens ne bougent pas. Et Tanganyika, les gens ne bougent pas non plus. Kinshasa, bon, je ne sais pas si après peut-être Batumakobima, on ne sait pas non plus. Congo central, même chose. Et puis, côté Moussous, même chose pour l'instant. Peuple congolais, dans le moment où ça, Nabino Live Oyo, Nanou Tozui. En tout cas, ma revendication, tout ma marche à miner n'était, Oyo, Ezako Salama, Nakatia capitale, à part Nagoma, Nenge Nautuko Laksabino. Voilà, on me montre encore, collectif, voilà, côté Lubumbashi, on montre ici, la situation est très tendue à Lubumbashi, un véhicule brûlé, de pinet également brûlé. Alors, à Lubumbashi encore, il y a des manifestations, Tumbi, pinet à Lubumbashi, et puis, Tumbi Moutouka, moi, repène à Lubumbashi Kuna. Donc, la situation, à Lubumbashi, le peuple, Bazali Koloba. Alors, côté Kinshasa, pas encore. On attend d'autres provinces, peut-être, images, et Kozong et la Bissot, et Koye la Bissot après. Tozela, Nanou, Bongo, Toko, Yeba. Et en même temps, dans le problème d'élection, nous vous signalons encore ici que le député Jean-Jacques Mamba, il y a Jean-Pierre Bemba. Quitte le MLC de Jean-Pierre Bemba. Je suis au regret de vous annoncer qu'à dater de ce jour, je me désengage officiellement du mouvement de libération du Congo, écrit-il dans sa lettre de désengagement. Alors, le monsieur Jean-Jacques Mamba, qui porte parole, il y a MLC, l'Assemblée nationale, de 2018 à 2023.
D'abord, il était le premier à dire, après l'élection de 2018, que Batika Félix Assalakaka, ba Martin Fayulu, baza sousou na chouate, si ce n'est Bandi Makaka Ndenge Makambe Kei, baza l'élection en 2023. Et alors, Jean-Jacques Mamba, aujourd'hui déçu parce qu'il n'a pas été élu dans Lukunga, alors il gronde pour cela Jean-Pierre Bemba d'être fautif. Et il gronde Jean-Pierre Bemba de tout donner et de ne pas préparer le parti pour son parti à affronter Makamboyo. Il a tout donné confiance à Félix Tshisekedi et à la fin des comptes, Félix a décevoir Yé. C'est une déception totale. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à comprendre. Yango Moni Jean-Jacques Mamba quitte le MLC. Hier, je vous ai dit parce que Bobby Kebison nous a battu à Kati. Tozwa ki ba révélation. La colère d'Eve Bazaïba. Kanda ya Bazaïba Zalaki grave. Je ne sais pas si elle a été élue, n'a ébité. Bazaïba Zalaki na Kanda, Makasi. Batwa MLC, Bazui est l'okote, Bazui Makasite. Alors Bazaïba colère et le kakiye. Donc, Babi ke soki, Batwa Zalaki ka ke ben Bazalaki te. Mais déjà, Bazaïba a sali déclaration Makasi. Mais, Babi ke. Ben baza pemeni wana moye bazaiba aloba mingi ezate il se contacte peut-être a rozonga le sur na gouvernement étant que ministre et que bazo attend na vice premier ministre puis deux ministres ou trois ministres donc bazo c'est la kaka babiloko wana mais manœuvre nyo surtout ya munene MLC ko ko zala nango ba bomi yango pa ya Félix Tshisekedi yango moni député Oyo Jean-Jacques Mamba a quitté parce que moni qui a venu là ya MLC ko fina MLC comme il a le rôle à moi parti moi mokie MLC comme il a le rôle avec 19 députés donc et quand il a on a pas parti à Moïse Ndonzangi beaucoup tout comme on a va ventir la RDC va trop voilà Jean-Jacques Mamba quitte le MLC de Bemba on ne sait pas la suite ce qui va se passer alors Bande Golangai, qu'est-ce que je vais encore vous dire? Bino Bozako Landangai, Awa. Voilà. Alors, n'a pas moussous na kolobela Awa, Ezali, Toyoki na Sango, Toyoki na Sango, Balobi na Bisoke, qu'est-ce qui va se passer? Balobi na Bisoke, il y a quatre professeurs, Balobi na bango ba réviser constitution il y a République démocratique du Congo il y a le professeur nanyo zana tangela bino ba kombo na bango bato basengi bango ba réviser constitution ba réécrire constitution il paraît qu'ils sont au nombre de quatre il y a qui il y a à la demande de Félix Tshisekedi le prof Mbata Lutundula Lumanu, Jacques Njoli et Ngondankoy ont rédigé dans le plus grand secret la constitution de la 4e République qui doit être adoptée en juin prochain par le Parlement issu du haut d'op électoral. Le président congolais sera désormais élu pour 7 ans sans limitation de mandat par les deux chambres. Félix Tshisekedi pense déjà à remplir en 2028 pour 14 ans. Donc, c'est-à-dire Félix Tshisekedi a aussi sa mandat à 5 ans. Alors, s'ils adoptent cette constitution du Congo, le mandat va quitter de 5 ans pour 7 ans et sans limitation de mandat, tout le monde Mobutu, na Zaïre. Vous avez dit Mobutu, ce que tout le monde a Mobutu, et que Bango Balobi Bakolongwate, Yangwana Batindi, si pareil, ou Balobi Batindi. Batindi Mbata, professeur, Lutundula, Lumanu, Jacques Joly, et puis Ngondankoy, on va rédiger. Quatre personnes, on va rédiger. Il paraît va rédiger constitution pour l'occuper sa Félix Tshisekedi plus de mandat de limitation et qu'il a droit d'être élu par les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, donc dans un congrès. Et 7 ans au pouvoir. Voilà, si je regarde d'abord le nom, il y a Bato Bakomi Constitution Oyo. Si on regarde d'abord le nom, Mbata, c'est un Mouluba. Lutundula,
Azamutu à Sankourou. Le tondou là c'est Azamutu à Sankourou, donc Mouluba Peka Katokoloba. Njoli, Azali Mungala, Jacques Joli Mungala. Ngondankoy. Il peut être aussi un moutete là, s'il n'est pas moutete là, à cause de Mouluba. À cause de Mouluba. Donc si on regarde le nom de ce monde ici, il n'y a pas un Mouchouaïli là-dedans. Et puis, il n'y a pas un mot Congo là-dedans. Donc, ça, ce n'est pas une constitution. On n'écrit pas une constitution. Il y a marqué Bonde, Bake Komelango. Si vraiment cela est vrai, que Bakomi Ndengwana, Bangonde Bakomi Constitution Wana, je pense que ça va chercher encore beaucoup de problèmes dans ces pays. Alors, au plus que ça va nous amener droit vers la balkanisation du Congo. Si ces gens-là, je ne sais pas moi, mais disons que ceux qui va komaki yango et que par exemple dans le mois de juin qui va meka ko adopter yango, les Bakongo nous pouvons dire que on n'est pas concerné. Les Bashwaïli ils vont dire aussi ils ne sont pas concernés. Et je ne sais pas côté Équateur s'ils vont être d'accord avec ça et d'autres coins, je ne sais pas. On attend voir parce que quand on écrit la constitution, vous devez réunir des forces ou bien des intellectuels de chaque coin. Parce que Mouluba comme la Mukongo constitution, parce qu'il ne connaît pas la culture Congo. Mungala comme la Mushwaili constitution, parce qu'il ne connaît pas la culture Shwailiphone. Il y a des trucs qu'il faut. Si vous voulez faire une belle constitution, vous devez rassembler les gens de toute province pour que Bapé sa mort na bango. Mais ceux qui ont sali loko que sans tenir compte à Batumususu, ça ne les regarde pas, ni de loin ni de près. C'est votre conscience, vous l'avez écrit, c'est votre problème. Mais je dis bien, ceux qui ont salami nenge bazakorobanabiso, vous devez s'attendre très bien. Nous avons dirigé au Boyoka. Ba Congo, ba Kobanda, ba démarche, ba Kosenga, indépendance na bango, autonomie na bango. Parce que nous sommes aussi, même aussi, le Congo central n'est pas si grand comme ça, mais le Congo central peut bien vivre. Yemoko, a koyou peut vivre un peu bien. Ça, s'ils écrivent cela, vous allez voir les jours à venir, comment les choses vont se passer dans ce pays. Nous avons combattu Mobutu. Mobundisi Mobutu, Ti Mobutu Akei. Parce qu'il fut dictateur, il a pris beaucoup de nombre d'années au mandat, au pouvoir. Mais là, le chemin que vous tracez. Tala bisikanga na bisaka ba Congolais, bino abo finga ka muse ayaka na ba Rwandais. Bino wawa, bo finga ka muse ayaka na ba Rwandais. Siko muse nga ko yana ba Rwandais tendenge nini. Avec la complicité de vos politiciens. Comment muse ne pouvait pas venir avec les Rwandais? Parce que quand l'homme politique est au pouvoir, il regarde d'abord son intérêt et de sa famille. C'est presque à la fin qu'il commence à regretter si on savait, et il commence à dénoncer. Si on savait, on ne pouvait pas faire ça. C'était des erreurs. Mais quand ils écrivent ça, ils ne savent pas que nous mettons un peu en danger l'unité du pays et l'avenir du pays. Alors, il faut s'y attendre très bien que vous adoptez le Kaboyé. Ça poussera d'autres personnes, d'autres peuples à quitter le Congo et à quitter l'unité du Congo. On est là, on attend voir. Bakambo nengeza ko kendele et toye babisika yango et ko souke la si cela est vrai, on attend voir les choses. Voilà. Alors sur point mususu na ko lobela mbangu mbangu wa sur l'investiture de Félix Tshisekedi, peuple congolais. Ce que vous devez retenir sur son investiture. Alors, on nous avait promis tant le monde au Seigneur Kibaya pour n'avoir assisté à la prestation et à serment. Au moment où je vous parle, il y a eu d'abord tweet Timore Bimaki na Tongo Awa. Et ce tweet nous faisait état que non, Batumususu, en tout cas, Baya quitté. Mais après vérification, alors, on nous dit que Batumususu Mayaki, d'autres personnes, d'autres chefs d'État, Mayaki, na prestation, ou bien Baye, na prestation, il y a serment, il y a Félix Tshisekedi. Je vais vous lire le nom.
Alors, on a la coma qui pas un seul invité jusqu'à présent. Le membre de l'Idiopes commence à quitter l'aéroport de Njili un après un. Le Sege est introuvable. Bokodoka, wana batunde bakomaki. Alors, mais je dois quand même vous confirmer, peuple congolais, qu'on nous signale, il y avait nombre des invités. Il y avait plus de 37 délégations au Rwanda et au Zirabayana Congo. 37 délégations. Hier, je vous ai lu les noms, il y a Batouana. Mais pour l'instant, Nakati, il y a RDC. Pour le moment, na utukotanga na Radio Kapi Awa. Et si je peux lire encore ici, c'est que Radio Kapi a commis les bichons. Il a écrit ça, c'était à quelle heure? Je ne sais pas si c'est vrai, mais on va lire dans une heure. Radio Kapi est quand même crédible. Je ne pense pas qu'il peut nous mentir. Alors, on va dire qu'investisseurs et ils sont déjà arrivés à Kinshasa. Le président de la Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko Embalo, vous voyez bien, c'est un faux président. Il y a Théodore Obiangema, un grand dictateur, il doit toujours être là. Il y a le président Macky Sall du Sénégal, dictateur aussi. Le président de Djibouti, Ismaël Omar Gaël, on en comprend. Le président de Malawi, Lazarus Chakwera, on ne sait bien. Vous voyez bien qu'il y a un peu de temps Sadek. Le président angolais, Joël Lorenzo, même s'il n'aime pas Félix Tshisekedi, il n'avait pas le choix de se présenter. Le président du Kenya, William Ruto, pour un peu cacher Makamonsu et Zagosal Manabananga, Sora Yakite, il doit toujours être là. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, c'est tout à fait normal, il est pas là. Le président sud-africain pour le contrôle minerais, au Afrique du Sud, à Bénéficiaire, à Congo, il doit être là, Cyril Ramaphosa. Le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, lui aussi il était là. Le président de Zanzibar, Hussein Mouini, il était là. Le président du Tchad, Mahama Idriss Déby, l'enfant de dictateur. La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu, il est plus fort, toujours, c'est normal. Le président de Sao Tomé et Principe, Carlos Villanova, il était là. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, il était là. Le président du Ghana, Akufo Addo. Le président de la République du Zimbabwe, Emos Mnangagwa, il est là. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le président de la République de la Gambie, Adama Barrow. Le président de la Zambie, Akende Ishilema. Et d'autres chefs d'État et le gouverneur de nombreuses délégations. Bon, d'autres chefs d'État, ils ne veulent pas préciser parce que bah, yéna nous, tepe peut-être bakoyati. Par exemple, l'Ouganda tient une réunion avec d'autres pays. Donc, Museveni ne sera pas là. Ça, Kagame, lui, c'est l'ennemi de Félix Tshisekedi. Ils avaient promis le président sud-soudanais. Il n'est pas là. Donc, si on peut compter le nombre au Baye pour cérémonie ce Bandaki, Batoubaye, Zali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, non, 19. Donc 19, 18, 19, baillé sur les 37. Wabanda Ekozela, Oyo Sengela Kibaya, Nakati, à cérémonie, Oyo. Alors, la personne que Oaza Koloba, délégation, il y a États-Unis, Oyo Baye na Congo. Je vis son profil sur Twitter. Namoni profil naye na Twitter. Comment s'appelle ce monsieur-là? Zela, Naluka Nanoa. Naluka Awa. Twitter naye, Soki Anthony, Soki Naniwana. Azali CEO, Azali Roya chef entreprise. Oh, Balobia yena délégation États-Unis wana. Azali Roya chef entreprise. Oye, batini na compte ya délégation États-Unis. Azali naye chef entreprise. Donc, aye naye kaka. Donc, la France, par exemple, peut-être Azali représenté par ambassadeur na bango. Bango baye na bango te. Voilà. Qui encore, oye balobi baye, oye grande ampleur. En tout cas, le monsieur là, comme je vous dis, Azali naye mouta grande ampleur te. Oye aye. Que participer na soit disant la délégation États-Unis, ils allaient qui n'ont simple formalité. Maintenant,
Si vous pouvez comprendre les choses, nenge yango et se dérouler. Parce que quand le dictateur veut faire quelque chose, en tout cas, il faut influencer le monde entier pour montrer que lui, il est vraiment aimé dans le pays. Vous allez voir des images ici qui circulent. Rabbi Damino Ketorozong a peut-être une deuxième partie pour Nathalie Belamouzindo Nango. Mais vous allez voir des images, des impressionnantes préparations. Et na Elekilelo, on va revenir sur ça dans quelques minutes. Regardez d'abord ces images. Grande cérémonie, préparatif et investiture et à Shifati Beton, Moukwa Tombolo, deuxième mandat président de la République. Ici au Palais du Peuple, nous assistons avec l'entraînement. Quelques bateaux, il va comme ça là, cheval, donc moi ne vais pas se tamper, punda, va bien à punda, moi ne va punda, va punda, voilà. Donc bonjour 20 à 20, les gars 20 à 20, voilà. Bangou est sur la tifati 20, donc cérémonie, voilà, merci. Cérémonie à Makassi, les gars cérémonie à Makassi, donc. Des images pour impressionner. Des images pour impressionner le peuple congolais. Juste pour impressionner les gens. C'est ça la voie de la dictature. On ne fait pas des choses avec simplicité. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Préparatif, cérémonie, investiture. Voilà. Wana Bomoni, Yali Bosso. Et Yami Balé, peuple congolais. Chose aussi, nous venons de voir, c'est le Kimbanguiste, Oroande Ipokoya, pour que Bango peut participer à la cérémonie d'investiture. Regardez le Kimbanguiste. Voilà, on a un Kimbanguiste, Bazago Beta, Bagidar, avec un des stades, Bauti Nankamba, je ne sais pas si à Kinshasa ils sont, et Bakéi, la cérémonie, Wana, Mwena, Mbongo. On achète consciencement les gens au Congo si vous avez seulement l'argent. Si vous avez Mbongo, tout est permis en RDC, tu peux acheter bien les consciences des autres. Les Kimbanguistes. Et même la personne qui dans des trucs pareils, c'est vraiment regrettable. Oui, c'est un camp, je ne sais pas. La cérémonie, il y a investiture, il y a Félix Tshisekedi. Donc, en quelque sorte. Je vais vous montrer encore l'image avant le bas. Avant le bas. Là, là, c'est une image. Bakinois, c'est quoi? Bon, on a évité ce que tu as dit, Taliban, mais Bakinois. Moi, il y a quelque chose qu'on les a promis. Bango, on a sali long que Moulongo Moulaï pour ne pas qu'on ait un stade assister l'investiture à Félix Tshisekedi. Moi, il y a quelque chose. Donc, moi, il y a 5 dollars ou 3 dollars. Bah, il y a belé pour ne pas qu'on ait un stade. Waouh, c'est ça, terrible. L'entrée de l'autre côté est fermée. Il y a un moulongo. Voilà, ça ce sont les images que vous, ici dans la diaspora, il faut faire réfléchir encore plus sur Batalibanda deux ou trois fois. Voici des images. Bazo que le Zambongo pour stade yangwana kuna. Bomoni bisika stade des Ali, stade des Akuna. Siko kuna baketcha mulongo ozimbongo ok stade. Ozimbongo ok stade. Ozimbongo ok stade. Voilà les choses nenge le kiwana nenge pezo le kana Congo. Donc ezali pasi pemawa. Kumona
makamunenge zone ka lelo na kata Congo ya liboso soki tokolo ba na bataki mbangiste yango moni ya msusu batu na diaspora awa bakoma na ba doute ya kondima lelo vision oyo simo kimbangu atikaki na lelo bato baza ko diriger église kimbangiste c'est vraiment un peu donc comme on dit toujours simplement quand le visionnaire n'est pas là bato batikali des fois bah on désoriente ta vision il y a muto qui vraiment na eloko na na souci na e ndenge bandai ko kanisa makambu e sala mela bon tant mieux. Vous savez, au moment de Kabila, ils étaient là. Au moment de Mouzé, je ne sais pas, ils étaient là. Mouzé aussi était parti en Kamba aussi, là-bas. Mouvé avec Mobutu, ils étaient toujours là. Bon. Laissons voir les choses. Ndengeza Kokende, Ndenge Bango Basale Liango. Mais nous dénonçons ici que Makambo Bozo Sala, il y a des conséquences après. Mais bon, vous savez, l'homme noir, des fois... On est arrivé à un point, Mundela Obike, qu'il fallait utiliser Fimbo. Parce que Bato yo, pour Bayoka, peut-être il fallait qu'on bêta. C'est trop compliqué. Vous savez, vous voyez les Quinois, en majorité, ceux qui peuvent batailler des pestes, on ne sait pas mélanger. Bangouana Bato qui nous embonne pour pas qu'il tombe sa stade. Et les gens de l'idée peste. Bazar, on sait que la stade est tondi, Bato Baye Bele. Moi, Nambongo, Pessi Batouba est belé dans le stade. Mais est-ce qu'on doit toujours continuer à dire que non, oh non, soyez à la Kimbongo, te batmalinga, bayate, non. Mais si on t'achète ta conscience pour 5 dollars, tu pars remplir le stade, après 5 dollars, au Sombelibana Matembeliba, les journaux, le lobby na tongo, au ébite au Kendokonduka Mbongo, wapi, pour na, au Sombelasubana Matembeli. À qui la faute? À qui la faute? Mes frères et sœurs, soyons quand même très sérieux envers nous-mêmes, envers ce que nous voulons, ce que nous voulons faire, nous voulons accomplir. Bokeyi na stade, ba pesi mino ba 5 dollars, boton d'ici stade. Obimi na stade, okimi mbangu na wenze, matembele, moi Thompson, osombi fufu, journée wana batba na bali. Siko lobi na tongo tango zo la muka, 5 dollars les a sous-souté, okende sous na stade. Après, on va dire que c'est là. Mbokango, ezo bongate, mbokango toko sala nini, mbokango toko sala nini. Des fois, Mundele zara nango foti na ete. Mundele atala rape biso. Biso to vanda rana poto awa. Batutu ba vanda rana ba poto awa ba yebi. Mundele so ramoni ke gouvernement, trop se trop, akobima, akosala ba manifestation. Quel que soit, se okutu régime en place, et bomi les sous moutou moko, ça devient encore plus grave. Plus grave. Gouvernement, donc, yé moko, gouvernement yé bike, nako beta ba, ba ma yi ba nini tout ça, mais je dois éviter moutou akoufa. Je dois éviter moutou akoufa. Les gens vont sortir, vont manifester. Les opposants ont donné les mots d'ordre. Les opposants ont demandé aux Quinois de quitter leur confort. De venir manifester. Pour l'instant, je ne sais pas, je dis on attend parce que Nabina Ozonga, pour l'instant, à Kinshasa, les gens se contentent. Bata la RTN, c'est bata la cérémonie, n'engezo salama la bandaku. Après, cérémonie Sili, bake gota na bango match à football. Après le lendemain, bakomi gote le manaba kwe, moussala toko zoab. Les gens continuent toujours de pleurnicher, pleurer. Oh, bato yo ba lekisi, oh, ba kasayen oyo. Mais so ba bengi yo kendo zwa 5 dollars, ok, zwa 5 dollars, ok, na stade. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que tout c'est la faute de Blanc toujours? On a eu qui le docteur Denis Mukwege a dénoncé, a dit que vraiment, démocratie variable entre l'Occident par rapport na ba chef d'État ou ba yé na Congo, pour na ko accepter fraude électorale ou bango ba dénoncer mais ba yena bango kwandima yango babi bon on s'en fout de vous hein. Mais le monde est comme ça, le docteur Denis Mukwege, le monde est comme ça. J'ai expliqué ici aux Congolais, j'ai expliqué aux Congolais, si vous ne faites pas quelque chose pour vous-même, n'attendez pas le secours de l'homme blanc. Non, il viendra pas. Lui, il vient pour son intérêt.
Si mes intérêts sont garantis, le reste a donc cœur. Ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent de ce qui se passe au Congo. Ils ne vivent pas au Congo. C'est vous, Congolais. C'est nous, Congolais. Nous devons faire quelque chose pour notre pays. Mais la première responsabilité, c'est la population. Ce n'est pas des hommes politiques. C'est la population qui doit se réveiller, comprendre les conditions de vie où Azali qu'on traversait. Mais quand un peuple est si doux face à ses bourreaux, au bazar qu'on collaye, les Congolais vivent dans la prison à ciel ouvert. Bazar on a battu si bakanga bango na prison mais bazo tambola kaka ciel ouvert. Bazo mona likolo mais bazar qu'on couffe na nzala na passe na ba malade na guerre na insécurité. Comment un peuple peut être si calme comme ça? Comment un peuple n'arrive pas à revendiquer? Comment un peuple arrive à clamer ses bourreaux, les gens qui nous font du mal? Ça, c'est grave, c'est regrettable. La première responsabilité, c'est nous-mêmes. Ce que vient de dire Dr. Mukwege, démocratie une variable contre l'Occident, c'est tout à fait normal. Batouana tina ba chef wana ba uchi koya wana na Congo pour nous insister. Ils s'en foutent de vous, opposition. Ce qui katumbi azwaki, ce qui moukwe gazwaki, ce qui faillu pas azwaki. Balgagi bayana ba. Ne pense pas que bayega pour na Félix azui. Non. Ce qui peut opposer azwaki, ou bien balinga ki peut bayakaka. Pourquoi? Il regarde pas les élections se sont bien passées ou c'était pas bien passé. Il regarde l'intérêt que mon pays a avec le Congo. Si je coupe cela, et je boude Félix Tshisekedi, qu'est-ce que moi je vais gagner? Je vais gagner l'opposition. Je vais gagner les paroles de l'opposition. Yango moni baye na bango. Ce qui va payer Moussous Batindi directement va envoyer na bango te va assister na investiture Oyo. Na bango, na ambassade na bango plutôt, baye ko assister. Et l'Occident ne peut jamais, ne peut pas dénoncer. Il va faire quoi? La force doit venir de nous-mêmes. Voilà le pourquoi les gens, n'ayant qui paraît que l'Amérique a jugé Félix Tshisekedi de dialoguer avec Corneille Nanga. Botika koyo kabilo kalo kayana ya batoyi de peso nanga kufi nanga kufi nanga bel et bien vivant. Azana yena bomroi. N'ayant qui paraît l'Amérique a jugé Tshilombo à Solana Corneille Nanga pour bailler bandeine bakosala. Je ne sais pas. Mais face à ce qui se passe, dites-moi, bino ba Congolais, boza ba taliboso, ceux qui batu ba kei loko la Corneille Nanga kezo minduki, bolo biote, nzela minduki eza mabe, futo ke na démocratie. Mais démocratie ango e utu ko salama na Congo, mundela moni, mundela kanyine misu. On y a dénoncé, ba talika na musika. Sen ko koutu bo tchela ki moutema, yo na beti bino shita sima, andimi na Félix Tshisekedi ba accompagné. Si quoi voit ni les étiquettes là bas congolais bas couille comme ça pour bas kinois bas congolais dans son ensemble, regardez comment ils quittent, regardez comment ils manifestent, tout petit peu 5, 10 personnes, 20 personnes baso bima n'a pas opposant tout Fayulu a bengi opposé a bengi Katumbi a bengi Batumususu a bengi Bobima, juste une poignée de personnes baso qui manifestent. C'est pas c'est grave, ça c'est véritablement grave. Alors quelle voix? Biloko yo, Mobutu sala yangonde yango Félix azo sala. Tellement, il n'y avait pas d'autre choix. Yango mona ki Mouza ya ki pa kontina Congo. Parce que les gens ici accusent tout le temps Mouze. Oh Mouze, oh Mouze, oh Mouze. Ayende mta yema gama ba Rwanda. Mais Mouze voulait faire quoi? Bino bolso ko lobawa. Bon, suko Mouze n'gagas. Ou bien soki Mouza ya ka tena Congo. Mbele ti le loto zayina système a Zaïr. Mobutu allait mourir, peut-être le Congolo, ou bien Zanga Mobutu, ou bien Saddam Hussein, bangonde banga bazala ba président de l'ONU kata RDC wana. Banga bazala ba président, tu es ngoto zaka na système a Zaïre. So ki Mouza ya kite. Mouze, ata bo fingi nanga, ata bo lobi nanga, mais nanga, face à ce qui se passe lelo au Congo, on n'a pas de choix. Moi je ne peux pas, condamner Corneille Nanga. Non, jamais, jamais. Je ne peux pas condamner Corneille Nanga. Jamais.
Mais tout le monde, mais Nanga, c'est lui qui. Oui, Nanga est l'auteur, mais Nanga n'est pas l'auteur seul. Nanga a été conduit par. Nanga était. Derrière Nanga était Kabila. Azala qui n'a pas char na gauche, ma char na droite, ma char boy. Il y avait ma pèse qui est moi, ben terre na e. Aïe bon, on s'en a dit. Tiga n'a pas na zoaka kao. Mais le loyo Nanga monique, non, ça ne va pas, ça ne va pas. Yewana kimi dans la sima. Soki mou, bon le bananga Hitler, quel est le politicien qui allait chasser Mobutu du pouvoir, Soki nous a acquitté? Quel est ce politicien? Preuve yango kaka botala, Kabila bete qui 18 ans na pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah opposant à l'ongola qui est? Kabila est parti par lui-même. Avec la pression, yaba américain, mandamou yaba républicain. Parce que si c'était encore les démocrates, mais le tilé lo Kabila zan na pouvoir. C'était les républicains, Joe Biden et Bepto, Donald Trump qui a mis la pression pour que Kabila quitte le pouvoir. Sinon, Kabila n'a pas continué après 18 ans d'année à Betegui dans le Congo, na tête à Mboka. Avec Félix, c'est la même chose. Félix peut aller, toujours le bagarre à l'école à Bagé, mais Félix peut aller de 5 ans jusqu'à 20 ans, 30 ans, le la blague. Le quoi, toujours le babou et même le colopez aucun. Si, batmi bal, il peut aller à solo, batelemite, babouje, ma kambouba côté, monsieur. Il peut aller même de 20 ans, car on a Bagé, le quoi, tout ça, aventure, ouais. Les politiciens du Congo, avec ma kambouba, ils ont ça, madame Bokana. Oh, angaye. Et ça passe si trop bande konangai. Mais il n'y a rien à dire. Hein. Regardez comment investissure Yango et Salami. Et regardez comment Bakinoa et puis na Batoubayaki Ende Bango Moko na RTNC Bazo Koumisa. Ah ngaye. Pas si trop. Regardez les images qu'on nous envoie. Béton. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Béton. Un morceau de mouton qui a été construit. Ici à Kinshasa, béton au nombre desquels se trouvent d'autres sauts de moutons. Béton Yoga, ici, ce sont des à la route vers le stade du martyr. Prise en temps réel. Par la... Voilà, Wana Bazarozoa, ça c'est la voix de la dictature. On montre des trucs pareils, la voix de la dictature. Vous avez compris mon regard, Blaise, je ne peux pas vous priver de ce moment. Voilà. Merci beaucoup, Giscard Koussema. La voix de la dictature est dans son coin. Ce que nous vivons aujourd'hui dans cette ville et dans ce pays, c'est la résultante de tout ce que Félix Tshisekedi-Tshilombo a semé. Aussitôt, au lendemain de sa prise Tala de Bakinoa. Bomoni Bakinoa na boulevard. Après, Boya Rosenga va trouver Western Union. Tout le monde, Bozelanan, Bana Potosi, Bazuli, Binobe, ma décision. En train de saluer le président de la République du jamais vécu, du jamais connu dans ce pays. Voilà, bon. Il n'y avait pas aussi le monde. Ils avaient les talibans de Bazoki Mambango. Tout ça, c'est montrer au monde qu'il est grand. Donc, c'est la voix de la dictature qui est lancée au Congo pour montrer des trucs pareils. Mais il n'y avait pas la foule dans le riz. Oyo, Bakeneko Yambaï. À 500 mètres d'ici, vous allez voir la nouvelle configuration parce qu'il n'entrera pas ici avec ses véhicules présidentiels. Il va prendre le véhicule des commandements Yoka. En tant que commandant suprême. Les forces armées de la voilà. République démocratique du Congo. Voilà, Wana Batsuba, Tcheba Taliban Angela. Bangwane Bele po bayambaye na direction ya stade. Voilà les choses. Oyo eleki lelo na Congo. Batwana bazako ganga béton. Mais preuve yangoyo. Botala na Kasai, nzela. Bango bazo ganga béton mutabimisi. Je ne sais pas combien de millions de dollars pour na kosala simple cérémonie ya investissure. Combien de millions de dollars ebimi na caisse à l'État. Mais regardez les conditions de route au Kasai. Malwa kokema. Malwa ibisho. Tangi la ibwalo. Je suis un député.
Est-ce que c'était normal d'avoir des problèmes avec Félix, avec les autres, pour aller et se retrouver dans ce genre de situation? Pourquoi vous citez Félix? Quand je vais dire qu'il n'a pas étudié, vous serez le premier à aller crier que Roger Lumbala a insulté. Pourquoi vous citez son nom ici? Joseph Olengapoye a étudié où? Voilà, Roger Lumbala, à l'hôpital, on a Sabino Katanga a été, bon, le bon nom, la Bino Katanga. Voilà, c'est-à-dire, le truc là qu'il fait, ils ont dit, il y a un bateau, parce que, moi, je suis allé, mais elle était, donc, ils sont les casse devant les intellectuels, il doit faire des trucs à tel point que, pour moi, on a gagné à Zamtamaele. Donc, ils ont dit, Zoba, Anna. Le je vous ai dit au début, batu yambo on était assigné à soko moni on dit matin que mtu azana mbongo Obama wana longwe président mais so okuta na on dit matin que mtu azaki président États-Unis d'Amérique. Ozomon la simplicité d'ailleurs kutu bana Obama comment bango tambola 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 on dirait tes papa na bango azaki président. La simplicité, l'intellectualisme, un intellectuel réellement devient tout ce que mta tangi minga comme ça simple parce que mon l'orgueil ça fait quoi l'orgueil pourquoi. Mais tala buzoba, bozu mutazoba botier président, tala nenga zo la sabino suko aventure buzoba, mbongo nyo sa l'état zo sala ba aventure na ye, lokumu na ye, batwa mo na ye na monde entier. Ils a participé ma watro bande kolangai peuple congolais, je crois que tozu presque temps ou bien na yo ki ke balubi ba sombi ba bateau na Égypte, balubi ba bateau ko koma sobi mukoni ba bateau de pêche y paraît. Des bateaux neufs battant pavillon congolais sont attendus d'ici le mois de mars. C'est une promesse ténue de Félix Nkundi-Tshisekedi, l'aboutissement d'un processus laborieux mené par le ministre de la Pêche et Élevage, Adjien Boukele Diema. D'appartenir à la bateau suffisant. Les bateaux vont arriver. Et voilà, en janvier, tous les mois de mars, ma bateau en a de pêche. Et comme en a Kinshasa, tout à l'heure. Ndenge yango ekosala na kata Congo. Voilà, merci beaucoup na première tranche oyo. Ngalani na partager na bino. Comme je dis, nous allons revenir na deuxième tranche. Tokoye ba banani na banani penda ba participer na cérémonie wana na ba délégation ni ne komaki na kata capitale d'ici peu de temps. Alors on va visionner ensemble bande konangai événement nous surtout ndenge yango et salami. Pour l'instant, on montre des images, spectacle inutile. Ezaga loko la. Qu'est-ce que je peux dire? Bonne année, Karate. Ezaga loko la bonne année. Les lobos fêté bonne année, bo leba soso, bobini, bobini, lobina tongo, bo la mugi, bo nzale, komina libumo. Ce vilogo tika la gite. Na kini kuna, bo komi go luga sus, toli anini, toli anini. Donc, ils ont une simple cérémonie, ça passe aujourd'hui et puis c'est terminé. C'est terminé. Ce qui est grave, c'est ce que vous devez commencer à compter. Qu'est-ce que le président a fait demain? Ça, c'est quoi ça? Ça finit dans quelques heures, sinon. Et sinon, alors posez-vous des questions. Demain, il va faire quoi pour le pays? Pour que Mboka Nabino, tous les amis, ça, ma condition, la vie, sécurité, ma kamouté, comme bien. Demain, il va faire quoi? C'est ça, des vraies questions. Ça, c'est rien. Simple cérémonie, inutile. Alors, à tout à l'heure, peuple congolais, nous avons dit que pour nous développer l'événement, nous avons dit que 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 n